Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous un petit colis que j'ai reçu de la part d'Alexandra. Je parle pas trop fort parce qu'il y a du monde à côté. Coucou Marie-Claude, un petit rien qui j'espère te fera plaisir. Il y a un petit peu de tout, bonne réception. Gros bisous, Alexandra. Alors, c'est quand même un petit cadeau, je dirais. Un gros carton et plein de petits cadeaux. Voilà. Donc là, j'ai hâte de l'ouvrir parce que ça fait 2 jours que je l'ai. Et que je n'ai pas ouvert ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai juste regardé comme ça. Alors, ça, elle me l'avait dit. Oui, elle m'avait dit qu'elle m'enverrait des cristaux de soude parce qu'elle sait que je fais tous mes produits ménagers. Donc, elle s'est dit, tiens, hein, voilà. Et elle ne s'en sert pas, Alexandra. Donc, moi, j'étais contente de le réceptionner. Et pareil pour du bicarbonate de soude alimentaire. Bon, ben ça, tout le monde sait ce que c'est. Donc, elle ne s'en sert pas non plus. Mais bon, voilà, avec quelque chose qui me... Voilà, ça, c'est quelque chose qu'elle a fait. C'est un panier qu'elle a crocheté. Alors, moi, ce que je vais faire, en fait, ça peut servir aussi de cache-pot. Et moi, ce que je vais faire, je vais mettre un... Dans le fond, là, je vais mettre quelque chose de cylindrique, voilà, pour qu'il soit bien, pour qu'il se tienne bien. Mais, voilà, il est juste trop, trop... trop beau, voilà. Et comme c'est les couleurs de ma chambre, ça en grande partie, donc voilà, elle s'est bien débrouillée quand même. Elle s'est très très bien débrouillée. Je dis bravo, j'aime beaucoup. Hop, on va le poser là. Ensuite, il y a quoi d'autre? Tu t'en serviras sûrement, oui. C'est une base vernis à ongles et deux petits, moi je ne vais pas vous les montrer, mais c'est deux petits flacons vernis à ongles. Voilà. Voilà, vous verrez peut-être mieux. Deux petits flacons vernis à ongles et puis une base vernis à ongles. Donc il en reste pour faire 2 vernis à peu près. Je suis assez contente. Moi j'aime bien. J'aime bien faire du maquillage. Alors, miam miam un délice. Je vous le donne en mille. Hein. Bon, l'imprimante qui se met en route toute seule, c'est le fax. 90% du Pérou fruité et boisé. Je vous présente le chocolat agriculture biologique. Ouais, miam miam, effectivement. Ensuite, pas que pour les bébés, tiens, pas que pour les bébés. Non. Ah, bébé Conjac. Oh, alors ça c'est trop chaud. Bébé Conjac. Une éponge Conjac. Attendez, tu veux l'ouvrir? Ah, je savais même pas qu'ils en faisaient pour les bébés, mais oui, effectivement, c'est pas mal hein, ça pour les bébés. C'est tout doux l'éponge Conjac. Merci. Merci Alexandra. Super, j'adore les éponges Conjac. Ensuite, je m'en sers pour moi-même. Il a l'air d'être un flacon. Shampoing protecteur. Ah oui, c'est pas mal ça. Bio, tiens, un shampoing à tester, ça sent quelque chose. Ça sent bon. Ça sent bon le savon de Marseille, ça. Bon, un petit shampoing à tester. Merci, merci. Je suis contente. Je suis contente. Oh, ça, c'est lourd. Pour se laver. Oh, ça, c'est lourd, ça. Ça, c'est du fait maison. Ah, c'est ces derniers savons. Enfin, oh, je sens bon. Hein. Ah oui, c'est des savons qu'elle a mis sur sa chaîne, ça. Ah oui, il sent très très bon. Et donc, je dirais bravo, il n'y a même pas de phase de gel. Chapeau. Chapeau, chapeau. Ben, je vais avoir du savon quand même. Hein. Enfin, moi, en règle générale, je n'utilise que ça. Savon de Marseille. Ah là là, oui. Marius Fabre.
Oui, Marius Fabre, comment? Voici un savon, vous râpez ça, il y en a beaucoup, 400 grammes. Hein. Vous râpez ça, vous faites votre lessive avec ça, c'est juste tip-top. Extra pur, voilà, savon de Marseille. Bon, tout le monde connaît, je pense. À l'huile d'olive. J'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup la couleur que ça fait. Je suis contente. Elle est trop gentille. J'en mange chaque matin. Oh. Alors, si tu en manges chaque matin, si tu en manges chaque matin, ça ne doit pas être trop calorique. Ah, le quinoa organique. Naturscopes. Voilà. Quinoa flec. On peut même faire des... On peut même... Je ne connaissais pas du tout. Produce of... Ça vient d'Amérique. Ça vient d'Amérique. C'est vegan, c'est bio, c'est agriculture bio. On peut faire des petits pancakes avec. Ouh. Ça, c'est pas mal. Café. Point d'interrogation, point d'exclamation. Oui, sans doute un petit savon au café, ça. Sans doute. Là, je suis contente parce que... Ah, ils sont bons. On va peut-être mieux voir comme ça ou quoi? D'un côté, il y a le soleil qui tape. Voilà. Génial, hein? Ah, qu'est-ce qu'ils sentent bon. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'odeur du... Ça sent le café, hein? Ouais, ça sent le café. Moi, je suis une accro au café, hein? Là, il n'y a rien de marqué, là. Il n'y a rien de marqué. Il y a une surprise. Voilà, je voulais partager ça avec vous, quand même. Ah, du thé matcha. Ah, c'est pas mal, ça. C'est la poudre de thé qu'on achète. Ben, j'en ai presque plus, d'ailleurs. Oui, j'en ai presque plus, là, parce que je vais bientôt terminer ma boîte. Donc, ça, c'est génial, c'est ça, en fait. C'est le thé vert matcha du Japon. Thé vert, 100% naturel. Ah ouais, génial, génial, génial. Il y en a 80 grammes, hein, mine de rien. Ah ouais. Oh, merci, merci Alex. T'aurais pas dû, c'est beaucoup. Là non plus, il n'y a rien d'écrit. C'est pour ça que je l'ouvre directement, parce qu'il n'y a rien d'écrit. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, faut que je devine. Ah, c'est pas les barres de... C'est pas les barres pour se laver les dents, ça, je sais pas quoi, pour mâcher. Oh, attendez, il faut que j'ouvre. Ah, la surprise. C'est pas pour mon chien, hein, Alexandra. Si ça, c'est pour mon chien, en 2 secondes, il a dégommé le truc. Je l'ouvre. Oups. Ah, ça sent rien. C'est quoi? Ah, si, ça sent quelque chose. Mais quoi? On croirait une racine. Punaise, ça il va falloir que je devine, je crois. Je crois qu'il va falloir que je devine. Je ne sais pas si ça se mange, hein, j'ose pas goûter. Mais ça ressemble fortement à une racine. Voilà. Je vais essayer de deviner. Hein. Si vous connaissez, vous me l'écrivez juste en dessous. Hein. Parce que alors moi, je ne connais pas du tout. C'est assez flexible. Je vous donne quand même des indices. Ça ressemble à une racine. Ça ressemble au bâton qu'on mâche pour se laver les dents. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le siwak, non? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Oh là là, il faut que je devine. Et puis alors, on va terminer avec ça. Ça, il n'y a rien d'écrit dessus non plus. J'ai déjà essayé de deviner ce que ça pouvait être. Oh, Daniel Festi. Daniel Festi, mes huiles essentielles anti-âge. Ah oui, c'est vrai qu'elle m'en avait parlé. Mes huiles essentielles anti-âge, Daniel Festi. Waouh, ça c'est pas mal ça. Moi je suis une accro des bouquins. J'en ai un stock. Et ça aussi, c'est un bouquin. Je suppose, hein.
festis encore. Mes huiles essentielles anti-stress, insomnie, dépression, tracas. Ouais, tu sais pas, Alexandra, que ça tombe à pic. Toi, t'es la femme qui tombe à pic. C'est super. C'est super. Danielle Festi, elle est géniale. Ah, puis il y a des... Il y a pas mal de choses. Je connais là deux livres que je n'ai pas du tout, que je ne connais pas du tout, de Danielle Festi. Alors, c'est pareil, hein, si vous ne la connaissez pas, cette aromathérapeute, elle est médecin même, je crois. Voilà quoi, si vous avez des bouquins à acheter sur comment utiliser les huiles essentielles, je vous recommande fortement Danielle Festi. Voilà, j'étais gâtée, hein. J'ai tout partagé avec vous, vous avez vu. J'ai attendu deux jours pour ouvrir, pour partager avec vous. Hein. Et ben c'est tout, c'est tout. Alexandra, je te fais des gros bisous. T'aurais pas dû. Si, ça t'aurait dû, ça. Ça, je suis super contente. Je suis trop contente pour ça. Je suis trop contente pour le reste aussi. Hein. Vraiment, les deux bouquins Danielle Festi, top. Ils vont aller avec mes autres bouquins. Voilà, ben sur ce, je vous fais des gros bisous. Vous avez vu, j'ai encore été gâtée. Blanche Conjac, shampoing, tout. Ça, il faut que je devine. Il faut vraiment que je devine. Sinon, je vais avoir l'air bête. Ça, c'était le piège. Hein, c'était un piège. Allez, je vous fais des gros bisous à tous et à toutes. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis, Alexandra, ben, je te remercie encore. Bisous, bisous, ma belle. Puis, je vais me régaler, hein. T'inquiète.